C'est un casse-tête à chaque élection pour les mairies. Trouver le nombre d'assesseurs suffisant. En prévision du double scrutin de juin, la ville de Périgueux tente de convaincre par l'humour, avec cette campagne d'affiches qui semble porter ses fruits. 48 personnes sont déjà volontaires, 110 sont encore nécessaires, mais les mairies ont un argument de poids à faire valoir. Les futurs assesseurs seront prioritaires à la vaccination. Au fur et à mesure, nous proposons à la filature des inscriptions pour des vaccinations. On va tout faire pour que tout le monde puisse être vacciné, tous ceux qui souhaitent être vaccinés le soient. Ça, par contre, je le garantis, sauf s'il y a un coup de Trafalgar et qu'on manque de doses. À voter. Autre casse-tête pour les mairies, la tenue de deux scrutins simultanément et un risque de confusion pour les électeurs que les services municipaux tentent de limiter. On a prévu des agents d'orientation de façon à faire que les files d'attente soient plutôt à l'extérieur pour limiter le nombre d'électeurs que nous aurons simultanément dans les bureaux de vote. Donc on a prévu du marquage au sol, on a prévu beaucoup d'affichage et de signalétique. Et donc en fait on va faire en sorte de rendre ce vote le plus fluide possible. A noter que vous avez jusqu'au 14 mai pour vous inscrire sur les listes électorales. La campagne pour les deux scrutins commencera elle officiellement 15 jours plus tard.